Salamun, alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A toutes les soeurs, à tous les frères, que la paix d'Allah soit avec vous. C'est votre frère ah, hein? Toujours hein, dans la continuité, dans, dans la persévérance, disons, de la, dans la recherche. Uh, on dit qui cherche, trouve, hein, normalement. Alors on cherche. On cherche, Allah nous a demandé de cogiter. Alors, quelqu'un qui, qui disait cogito ergo sum. Je pense donc, j'existe, je suis. Alors on doit continuer de penser, on doit continuer de réfléchir. Oui, je sais que j'ai abordé deux sujets, enfin, un sujet, pas mal de sujets déjà, déjà controversiels, comment on appelle ça, à controverse. Euh, la dernière, ou le dernier, c'était Iblis. Est-ce qu'il était un ange ou un djinn Il y a un seul verset dans le Coran qui brouille tout le monde. « Okana minel djinn » Il fut des djinns. En fonction des, des traductions, certains disent il fut des djinns, d'autres disent il était parmi les djinns, euh, ou bien il, devient un, il devint un djinn. Ça dépend des, des, des traductions. Qui brouilles tout le monde. Ça ne devrait pas. Malheureusement, les gens s'arrêtent là. Le verset, il s'arrête pas là. Le verset dit Fafasaka an Amri Rabbi. Le verset dit pourquoi Pourquoi est-ce qu'il est devenu un djinn Parce qu'il parce qu a désobéi aux ordres de son Seigneur. Il devient un djinn, ou il fit partie des djinns ou il était des djinns ou il fut des nombre des djinns parce qu'il désobéit aux ordres de son Seigneur. C'est un problème de cause et de conséquence. Cause à effet. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a désobéi. Qu'est-ce qu'il est devenu? Un djinn. Donc il n'était pas un djinn. Qu'est-ce qu'il était? Allah s'adressait à qui? Aux anges. Très simple. Mais les gens se compliquent la vie, oui. Pourquoi? Parce que les gens se disent que les gens, les anges, ne désobéissent jamais. <laughs> vous êtes trop sunnisés. Vous êtes tous. Nous avons un comportement sunnite. Nous avons peur parce que les sunnites ont dit que les anges ne désobéissent pas. Alors, dans l'entendement, alors qu'il y a un million de versets dans le Coran qui vous disent que les anges peuvent bien désobéir, qu'ils ont le, le libre arbitre, mais les gens ne comprennent pas. Maintenant, Allah sait. C'est ça le malheur. On ne comprend pas que Allah lui, il sait qui va désobéir et qui ne va pas désobéir. Allah sait qui des anges va désobéir et qui ne va pas désobéir. Et qu'est-ce qu'Allah fait Allah sait. Allah a déjà vu le film. Rappelez-vous, il a vu le film que les, que les anges qui ne vont pas désobéir, Allah dit que ce sont ses rapprochés. Les rapprochés d'Allah. Ce sont les gens qui ne vont jamais, 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 au plus grand jamais, désobéir. Mais les autres, dont Allah sait qu'ils vont désobéir, ils ne sont pas des rapprochés d'Allah. Et nous allons le voir. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir est-ce que les anges dans le Coran ont le libre arbitre. Est-ce qu'ils ont la possibilité de refuser ou d'accepter ou bien sont-ils juste des robots qui exécutent Un robot, il ne fait qu'exécuter. On va commencer par la sourate numéro 2. On va commencer par la sourate numéro 2, où Allah nous raconte l'histoire encore. On va revenir toujours à l'histoire d'Iblis, d'Adam. On a compris que l'Iblis, ce n'était qu'un nom, comme Michael est un nom, comme, comme, comme Gabriel est un nom. Comme Harut et Marut sont des noms des anges. Rien de plus. Allah enseigna tous les noms des anges. Tous les anges se pros, prosternèrent, sauf Iblis, ils donnent il, il don un nom. Un exemple toute la classe, le prof demanda à toute la classe, toute la classe de, de se lever. Toute la classe se leva, excepté Jérôme. <laughs> Jérôme, c'est qui C'est un élève comme tout le monde. Il dit son nom. Ici, Iblis, c'était juste au nom d'un ange qui est devenu, Fafasaka, Alambi Rabbi, qui est devenu djinn. Pourquoi Parce qu'il a désobéi aux ordres d'Allah. Alors, le verset 30 de la sourate 2, qui nous dit quoi Rappelez-vous que votre Seigneur dit aux anges Allah, sans exception, Allah ne dit autre chose que cette fois dans le Coran. sourate 2, sourate 7, sourate 15, sourate. 16, sur 17, sur 20, 20. Sur... Partout, Allah raconte l'histoire, sur 37, sur 38. La même histoire, Allah raconte aux anges, aux anges, sans exception. Allah parle aux anges. Rappelez-vous que votre Seigneur dit aux anges, je vais mettre un représentant sur terre. Ils dirent, tu y mettras quelqu'un qui y propagera le mal et fera couler le sang. Alors que nous chantons tes louanges, te glorifions et soutenons ton absolue autorité. Il dit, je sais ce que vous ne savez pas. Là, là, ce verset déjà, il nous dit que les anges y réfléchissent. Ce ne sont pas des robots. Les anges disent, y mettra il mettras-tu quelqu'un qui y propagera le mal et fera couler le sang C'est clair, là que les anges déjà Ils, un, ils réfléchissent Deuxièmement, ils auraient au moins Apparemment, ils auraient leur mot à dire Sur certaines décisions d'Allah Clairement Allah n'a pas dit hey Ils n'ont pas dit ok Allah Tu fais ce que bon te semble Nous on ne fait qu'obéir Ils n'ont pas dit ça Ils ont objecté Ils ne veulent pas Qu'Allah crée, c'est clair Ils ne veulent pas qu'Allah crée quelqu'un Deuxièmement, Allah n'a pas dit Hey, je ne vous ai pas demandé votre avis. Allah dit, je sais ce que vous ne savez pas. Allah ne les a pas arrêtés dans leur objection. Il, on continue le 31. Il enseigna à Adam tous les noms, puis les présenta aux anges en disant Donnez-moi le nom de tout ceci, si vous avez raison. Ils dirent, Les anges, sois glorifiés, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as enseigné Les anges ne connaissaient pas Il dit au Adam Dis leur leur nom Lorsqu'il leur révèle leur nom Il dit Allah dit ne vous ai-je pas dit Que je connaissais Les secrets des cieux et de la terre Je sais ce que vous déclarez Et je sais ce que vous dissimulez Allah il parlait à qui Aux anges Les anges dissimuleraient quelque chose, c'est clair là, quiconque nie que les anges dissimulent quelque chose il nie Allah, il nie le verset 33 de la surah 2 et quand nous dîmes aux anges tombez prosternés devant Adam ils tombèrent prosternés sauf Satan il refusa il était arrogant et un mécréant Satan devint mécréant pourquoi parce qu'il a désobéi aux ordres d'Allah. Là, nous allons aller à la Surah 18. Justement, nous avons dit aux anges tombez prosternés devant Adam. Ils tombèrent prosternés, sauf Satan. Il devient un djinn. Voilà. Car il désobéit à l'ordre de son Seigneur. Dans la traduction des sunnites, Ici, Allah dit « fa fa sa, ka, mais eux traduisent, traduisent comme « wa fa saqa ».« Wa » et « fa » ne sont pas la même chose. « Fa » c'est la conséquence, c'est la raison, c'est le pourquoi. « Wa » c'est un « et ». Ça n'a rien à voir. Le choisirez-vous, lui et ses descendants Allah nous demande, est-ce qu'on va choisir Satan ou Iblis et ses descendants comme seigneur au lieu de lui, Allah Bien qu'il soit, bien que et ses descendants soient nos ennemis, quelle misérable substitution Voilà, c'est une substitution. Il y en a plein qui ont choisi comme Iblis et ses descendants comme des déités, comme Dieu à la place d'Allah. Allah Elle a dit quoi Je ne leur ai jamais permis d'être témoin de la déclaration, de la création des cieux et de la terre. Ni de la création d'eux-mêmes, et je ne permets pas non plus aux pernicieux d'œuvrer dans mon royaume. Relisez ce verset. Pensez à ce verset-là. Allah dit, on sait très bien qu'Allah, il a dit que ses anges rapprochés, ceux dont il sait qu'ils ne vont, qu'ils ne vont jamais désobéir, eux, ils ont été témoins de la création des cieux de la terre. Mais les anges dont il savait qu'ils allaient désobéir n'ont jamais été. Témoin de la création des cieux de la terre. Et il n'a il, il jamais permis à ceux-ci, non plus qu'aux pernicieux, d'œuvrer dans son royaume. Le jour viendra où il dira, fais appel à mes partenaires que vous prétendez être des dieux à côté de moi. Ils feront appel à eux, mais ils ne le répondront pas. Une barrière insurmontable les séparera les uns des autres. Les coupables verront l'enfer et réaliseront seulement maintenant, seulement là qu'ils y tomberont. Ils n'auront aucun moyen, absolument aucun moyen d'y échapper. Réfléchissez. On va aller à la sourate 4, verset 172. Le Messie, on parle de l'histoire de, de Jésus de là. Le Messie ne dédaignerait jamais d'être un serviteur d'Allah. Ni les anges les plus proches. Vous voyez ce qu'Allah a dit Ni les anges, Allah a dit, Allah n'a pas dit, ni aucun ange. Non. Ni les anges les plus proches. Allah n'a pas dit seulement ni les anges, non. Et on continue. Ceux qui dédaignent ou qui dédaigneraient de l'adorer et sont trop arrogants pour se soumettre, il les convoquera tous devant lui. Allah, il parle à qui Aux anges. Certains disent non, 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 altimètre, ce n'est pas sûr là. Ah, ah, ça va être sûr. Oh non, non, Allah, il parle aux humains. Non. Allons voir le 173. Quant à ceux qui croient et mènent une vie droite, il les récompensera pleinement et les convivra de sa grâce. Quant à ceux qui dédaignent, voilà encore deux cas de figure. Le 172 parle des bons anges proches d'Allah et les mauvais anges éloignés d'Allah. Et le 173 parle des bons hommes pieux qui se soumettent à Allah et des mauvais hommes qu'on va commencer quant à ceux qui dédaignent et deviennent arrogants il les réduira en châtiment douloureux ils ne trouveront aucun seigneur à côté de d'Allah ni de ni de sauveur ô oh, gens une preuve vous est venue de la part de votre Seigneur nous avons fait descendre sur vous une profonde source de guidance Al-Quran Al-Karim ceux qui croient en Allah et tiennent fermement à lui, il les admettra dans sa miséricorde et dans la grâce et les guidera vers lui dans son, dans son droit chemin. 66 Oh, vous qui avez cru. Allah dit, protégez-vous ainsi que vos familles du feu de l'enfer. Comment du, du feu de l'enfer dont le combustible seront, ou sera, seront les gens et les rochers. Allah dit des anges sévères et puissants qui ne désobéissent jamais à Allah. Garde ce feu-là. Allah a pris ces anges, ceux-là dont il sait qu'ils ne vont jamais désobéir à ses ordres pour garder l'enfer. C'est ce qu'Allah appelle les anges proches. Ils font ce, ils font tout ce que leur a ordonné Allah. Tout ce que Allah leur ordonne de faire, ils font. Et là on va aller à la sourate 20. Mais le diable lui murmura à Adam "Ô oh Adam, laisse-moi te montrer l'arbre de l'éternité et, la, et de la royauté sans fin." Ils en mangeaient, après quoi leur corps leur devint devait visible. Et ils essayèrent de se couvrir par des feuilles du paradis. Adam ainsi désobéit à son Seigneur. Vous rappelez vous rappelez-vous que, que Iblis avait désobéi Ici, si, Allah a désobéi. Dupé par qui Par Iblis. Par Satan, entre-temps qui est devenu Satan, parce qu'il a dit Non, je ne veux pas me prosterner. Par la suite, son Seigneur l'a choisi, l'a racheté et l'a guidé, Adam. Et il dit, descendez, vous tous. Vous êtes ennemis les uns des autres. Quand la guidance vient à vous de ma part, quiconque suit ma guidance ne s'égarera pas et ne souffrira d'aucune misère. La repentance de Adam. Adam s'est repenti et Adam a eu une seconde chance. Et Allah va lui envoyer qui de, de, la, la guidance. Des prophètes et des messagers vont amener des livres pour qu'on suit la guidance, pour nous guider. Et quiconque nie un messager, quiconque nie un miracle, quiconque nie un n'importe quoi que Allah nous a envoyé, il a choisi de rejeter la guidance, il a choisi de suivre les pas de Satan, il va brûler avec Satan en enfer. Quant à celui qui ignore. Mon message, Allah dit, il aura une vie misérable et nous le ressusciterons au jour de la résurrection aveugle. Il sera aveugle et il dira, Mon Seigneur, pourquoi m'as-tu convoqué alors aveugle alors que j'étais voyant Dans ce sujet, dans ce dans ce verset, ici, on fait attention au verset 123. Descendez de là, descendez. On va voir, on avait dit dans l'autre vidéo que c'est un problème de dégradation. D'Adam, qui était une âme, Adam, en désobéissant à la recommandation d'Allah, en ne suivant pas la recommandation d'Allah, Adam a été, a été diminué, a été dégradé. Donc, de il devient un ins. Voilà là où le ins commence. Le ins, il commence avec le corps. Quand le corps d'Adam et de son épouse apparurent, ils sont devenus ins. Et quand et lorsque l'ange devient un djinn, il a été dégradé lui aussi, il devient un djinn. Pourquoi Parce qu'il a désobéi aux ordres de son Seigneur. Donc c'est un problème de diminution. Maintenant ici le mot utilisé pour descend », c'est le mot habitat. Que signifie habitat? Rouler et tomber en bas, baisser, s'abaisser, décliner, diminuer, décroître, tomber, descendre, mettre pied à terre, précipiter en bas. Emmoindrir, s'abattre, s'écrouler, s'affaisser, dévaler, regresser. Tout ça se résume à Adam qui était en, au paradis, qui était une âme, qui est devenue quoi Un ins. Il a été, il a regressé, il s'est écroulé, il s'est abattu, il s'est précipité en bas, il s'est amoindri, il a décliné, il a démunié, il a diminué, il a décru, il, il est tombé, il est descendu, il s'est rabaissé, il s'est abaissé. C'est quoi C'est la dégradation. Là, nous allons aller à la sourate 7. Nous vous avons créé, puis nous, avons, nous vous avons donné forme. Puis nous avons dit aux anges, tombez prosternés devant Adam. Allah dit, nous vous avons créé. Allah parle à qui À l'humanité. Toute l'humanité a été créée dans Adam. Réfléchissons au nom de Dieu. Allah dit toute l'humanité a été créée, était dans Adam. Toutes nos âmes étaient là, présentes. Et là, on comprend le 772 que nous avons tous contracté avec Allah que nous allons suivre les messagers, que nous allons accepter tous les livres, que nous allons accepter tous les miracles. Mais là, on sait, comme les chrétiens se sont arrêtés, les juifs se sont arrêtés, les sunnites se sont arrêtés, tout le monde s'arrête à quelqu'un, l'ego. Ils n'étaient pas, ils étaient tous tombés, tombés prosternés devant Adam. Ils tombèrent prosternés, excepté, quand Allah dit qu'il demande aux anges de se prosterner. Tous se prosternèrent, excepté Iblis. Que, que peut être Iblis, à, à moins qu'on soit vraiment un taré, à moins qu'on vous disputer disputer la parole d'Allah, excepté. On parle bien de la règle. C'est qui, à qui Allah s'adresse Allah s'adresse aux anges. Tous les anges se prosternèrent, excepté, L'excepté, quel qu'il soit, que ce soit 2, 3, 4, 5, 6, si des noms, ce sont tous des anges. Ils n'étaient pas de ceux qui se sont prosternés. Ils n'étaient pas de ceux qui se prosternèrent. Il dit, à Adam, il dit, Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché, empêché de te prosterner quand je te l'ai ordonné, il dit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé du feu et tu l'as créé de la boue. Et elle l'a dit, on va faire attention à ce verset 13-là. Par conséquent, tu dois descendre, tu dois descendre, tu dois descendre. Pourquoi Car tu n'as pas à être arrogant. Sors, tu es déchu. Il y a deux mots ici. Descendre et déchu. Iblis qui dit, accorde-moi sursis sur, qu'au jour de la résurrection, on lui accorde, on connaît l'histoire. Mais on continue. Le mot utilisé ici, Iblis, il faisait partie de qui De minas al-Sajirin. C'est quoi les Sajirin Les dévalués. Ah bon Les dévalués. Il fut des dévalués. Allah dit, il fut des... Il fut des Mécréants, il fut des djinns, il fut de ceux qui, qui ne se prosternaient pas, il fut de ceux qui se révoltèrent. Là, il fut des dévalués, il fut des sagirines. C'est quoi sadjirine? Allons voir. Sadjirine, donc les dévalués, être moins âgé, être cadet de, être petit, menu, minime, exigu, en petite quantité, en moindri. Diminuer, être méprisé, être de qualité inférieure, être, être peu de choses, supporter l'abaissement, le mépris, être humilié, se faire petit, humble, euh, 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 rapetisser, diminuer, décroître. Iblis a été diminué. Iblis était un ange, il a été méprisé, il est, il est rendu de qualité inférieure. Il a été méprisé, il a été humilié, il a été rendu petit, diminué, il a décru. Il est devenu quoi Un djinn. Maintenant, le mot utilisé ici pour descendre, c'est fahabit. Le fa, on sait que c'est une conséquence immédiate. Le cas et le fum, Allah dit dans, la 3, dans le 381, après, je vais envoyer plus tard. Mais quand Allah utilise fa, 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 immédiatement, il devient un djinn parce qu'il a désobéi aux ordres d'Allah. Fa, c'est une conséquence immédiate. Il n'y a pas de... C'est une, une relation, c'est une de cause à effet immédiat. Immédiatement, il devient un djinn. Ici, immédiatement, dès qu'il qu dès, dès qu est devenu arrogant, il descendit de rang. Il descendit de qualité. Il descendit de, de valeur. Il a été diminué. Il a été dévalué. Et là, on va aller à la surah 37. Mes, mes frères et sœurs. Votre Allah, votre Dieu n'est qu'un. Le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre eux. Et Seigneur des levants. nous avons embelli le ciel le plus bas de planètes décoratives. Nous l'avons gardé contre tout mauvais diable. Ce sont qui les mauvais diables Ce sont les anges qui ont été dégradés, qui ont été diminués, qui ont été dévalués, qui sont devenus des djinns. Rappelez-vous quand Allah a dit qu'il a créé des anges par, deux, par, par des paires de deux ailes, de trois ailes ou de quatre ailes. C'est des qualités d'anges. Maintenant, les djinns, ils ne peuvent plus voler au-delà. Tu sais, avec n'importe quelle aile, on peut descendre. Mais avec pas avec n'importe quoi, on peut monter. Pensez à ça. Pensez qu'on peut descendre avec deux ailes, certainement. Mais pour monter là, il faut de la puissance pour monter. N'est-ce pas Il est plus facile de, 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 de descendre que de monter. Donc, ils sont descendus, ils ont été diminués, ils ont été dégradés, ils ont été dévalués, ils sont sur terre. Maintenant, ceux qui vont, ceux des djinns qui vont suivre la parole d'Allah, qui vont observer les recommandations d'Allah, ils vont réussir, ils vont retourner anges. Ceux des djinns qui vont continuer à être arrogants, ils vont devenir des quoi Des, des satans. Des shaïatins. Comme ceux des hommes qui vont suivre la parole d'Allah, ils vont retourner à Adam, ils vont retourner à l'état où ils étaient, ils vont être des âmes dans le paradis. Et ceux des hommes qui vont désobéir, qui vont être arrogants, comme les athées qui insultent Allah, qui, qui, qui racontent n'importe quoi Comme ceux qui se disent des corans seuls, Qui se disent des, des sunnites, des shia Qui n'ont aucun respect pour le prophète Mohamed Pour, 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 pour oui. tous les messagers Pour la parole d'Allah Qui inventent au nom d'Allah C'est du mensonge Au nom du prophète, c'est du mensonge Allah prépare pour eux le feu ardent Il ne va remplir l'enfer que des djinns et des ins Que des humains et des djinns Qui ont été arrogants qui n'ont pas voulu suivre la parole d'Allah à la tête de Iblis. Donc ceux-là, ils ne peuvent pas espionner la haute société. Ils sont bombardés de toutes parts. Ils ont été condamnés. Ils ont encouru un châtiment éternel. Si l'onde se risque à charger les limites externes, il est frappé par une féroce... Par un féroce projectile. Demande-leur, sont-ils plus difficiles à créer Ou leurs autres créations Donc, on a vu que parce qu'ils étaient diminués, ils ont été rendus plus faibles ils ne peuvent plus monter au-delà du premier ciel. Certains d'entre eux vont essayer. Voilà. Le diable, voilà, les anges qui étaient auparavant anges, mais qui étaient loin d'Allah, ne sont pas les rapprocher d'Allah, c'était ils, ils ont désobéi finalement, comme Allah l'avait prédit, ils sont devenus djinns, certains d'entre eux se sont répandus, comme Adam s'est répandu, ils ont eu une seconde chance, des djinns, donc seconde chance, mais ceux qui ont été arrogants, ils sont ils des shaitan. Le, le shaitan, ce n'est pas une création, le shaitan, c'est un état d'esprit. Le Seitan, il est humain ou il est djinn Il y a les djinns et les humains Seitan, ils sont là parmi vous, et parmi nous, ils procréent, ils mangent avec nous, ils conduisent avec nous, ils dorment avec nous, ils font tout, ils discutent avec nous. C'est des Seitan, c'est des descendants des gens qui ont été arrogants, ils, ils sont arrogants. C'est des descendants des djinns qui ont été arrogants, qui sont devenus effectivement Seitan, et ils vont tous brûler en enfer. Oh, dans l'au-delà, il n'y aura pas de ins. Il n'y aura pas de djinn qu'en enfer. Si vous voyez un ins dans l'au-delà, il est en enfer. Si vous voyez un djinn dans l'au-delà, c'est en enfer. Au paradis, il n'y a pas d'ins. Il y a les âmes qui retournent. Le, le reste, les djinn, ils redeviennent quoi Des anges. Là, nous, avons, nous, nous, nous allons aller à la tour 67. Allah dit Nous avons embelli encore l'univers le plus bas de lampes et, et protégé ses frontières avec des projectiles contre les diables. C'est qui les diables Les diables, ce sont les anciens, les ex-anges devenus djinns pour avoir désobéi, devenus shaitan pour avoir été arrogant en disant Pourquoi je vais Un, tu ne t'es pas prosterné. On te demande Pourquoi Réponds-toi Non, pourquoi je vais le faire Voilà l'arrogance, voilà le shaitan. Nous avons préparé pour eux un châtiment en enfer. Pour ceux qui ont mécru en leur Seigneur, le châtiment de la gaine, quelle misérable destinée. Quand ils, quand ils y sont jetés, ils entendent sa fureur tandis qu'elle bouillonne. Elle explose presque de rage. Chaque fois qu'un groupe y est jeté, ses gardes leur, leur, leur demanderont, n'avez-vous pas eu un avertisseur N'avez-vous pas eu un avertisseur Ils répondirent, ils vont répondre. Oui, en effet, un avertisseur est venu à nous, mais nous avons mécru et dit Allah n'a rien révélé. Vous êtes totalement égaré. Voilà ce qu'ils disent. Voilà ce que vous dites aux avertisseurs qui sont venus vous voir, ou bien à l'avertisseur qui est venu vous voir. Ils disent également Nous avions entendu ou compris. Nous, si nous avions entendu ou compris, nous ne serions pas les habitants de l'enfer. Vous avez bien entendu, vous avez bien compris. L'exposé était très clair. Ça fait des vidéos et des vidéos et des vidéos. Là, on va retourner à la sourate 18 encore. Les coupables verront l'enfer et réaliseront qu'ils y tomberont nécessairement, inévitablement. Ils n'auront aucun moyen d'y échapper. Allah écoutez ici Allah dit nous avons cité dans ce Coran toutes sortes d'exemples. Quand Allah dit exemple, masala, c'est des simples exemples, terre à terre pour que tout le monde comprend. Le Coran il est envoyé à l'humanité. Les gens veulent en faire des paraboles, que des paraboles que peut-être un sur un million de personnes peuvent comprendre. Allah il va envoyer son Coran à l'humanité mais pour que seulement un sur un million de personnes le comprennent. Non. C'est faux. Mais quoi? L'être humain est la créature la plus argumentatrice. Tout est devenu argumentaire. Le hadj est devenu argument. Le truc est devenu. Maintenant, on dit argument et puis on dit discussion. Ce n'est pas la même chose. Les gens, les gens, les gens ne savent même pas de faire la distinction entre argumenter et discuter. Ce n'est pas la même chose. Les francophones, le yazinisme, ça continue. Rien n'empêchait les gens de croire lorsque la guidance est venue à eux. Et de chercher le pardon de leur Seigneur, si ce n'est qu'ils demandaient à voir les mêmes genres de miracles que les générations précédentes, ou défier de voir le châtiment, même le miracle amené. فزيء في المراحل عليها تسعة عشر وما أجعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما أجعلنا إدتهم إلا فتن للذين كفروا ليساكن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيماناً ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ولا يأوّل الذين في قلوبهم مرضون والكافرون ما زارده الله بهذا مسألة ويرد بسواي فبديس آميزامي ال 19 هي إدّنّيابل نحن Nous n'envoyons les messagers que comme simples porteurs de bonnes nouvelles, mais on les rejette, ainsi que comme avertisseurs. Ceux qui me croient argumentent avec le mensonge pour vaincre la vérité. C'est triste. Et ils prennent mes preuves et avertissements à la légère. On a pris le 19 à la légère, on a pris l'avertisseur, le messager du Covenant, le messager confirmateur à la légère. Et on va payer. Donc mes frères et soeurs, réfléchissons. Ce n'est pas compliqué. À travers le Coran, les anges, ils peuvent désobéir. Ils ont le libre choix. Mais Allah sait qui va désobéir. Allah ne met pas ce, cet ange-là. Il n'est pas proche d'Allah. Il n'est pas témoin de la création des cieux. Il n'est pas témoin de, de, de sa propre création. Par contre, les anges dont Allah sait qu'Allah sait ils ne vont jamais désobéir, ceux-là, ils vont être les gardiens de l'enfer. Ceux-là, ils vont être les rapprochés d'Allah. Donc, l'ange peut bien désobéir. Le 666 6 est clair. Le 472 est clair. Le N verset, je, je pouvais en citer une dizaine, une bonne vingtaine d'autres qui prouvent que L'ange, il a entièrement, totalement le libre arbitre. Mais Allah sait quel ange va désobéir et quel ange ne va pas désobéir. Alors pour ceux qui vont désobéir, ils ne vont pas être pro proches de moi. Ils ne vont pas être mes proches. Ils ne vont pas être mes rapprochés. Il y a un autre verset qui dit, où il dit à Iblis, oh, tu voulais faire partir des, des rapprochés. Non, tu ne peux pas. Parce que je connais ce qui est dans ton cœur. Je sais ce que vous, vous ne savez pas. Je sais que certains d'entre vous sont arrogants. Ils vont désobéir quand, quand je vais leur demander de, de se prosterner pour Adam. À ce jour, peut-être qu'il y a des gens qui continuent à désobéir et qui continuent à changer en djinn et qui descendent ici. Maintenant, s'ils se répandent, ils ont une seconde chance d'adorer Allah. S'ils ne se répandent pas, c'est l'enfer. Alors, répandons-nous qu'Allah nous guide, qu'Allah nous oriente c'est lui qui contrôle tout mais à chacun de nous de faire l'effort d'avancer que la paix soit avec vous tous c'est votre frère ultimate encore une fois si j'ai dépassé un peu les bornes je m'en excuse qu'Allah nous guide qu'Allah nous merci le surat al mustaqim on le dit tous les jours mais les gens ne prient pas les gens ne gênent pas, les gens forniquent, tout, on, n'a on, on, on a aucune idée. Tous des intellectuels qui confondent l'éternité à 70 ans ou bien 80 ans. On confond l'infini moins un milliard, c'est égal à l'infini. Même si vous allez, si vous devriez vivre l'infini un milliard d'années ici, c'est zéro comparé à l'infini. Vous le savez très bien l'infini moins 50 milliards c'est égal à l'infini même si vous devriez vivre 50 milliards d'années sur cette terre vous allez dès que vous serez en enfer pour l'éternité c'est l'infini ça vaut pas la peine et vous savez très bien que vous ne vivrez pas ici 150 ans alors on joue pour 150 ans pour les trois heures que vous passez dans une salle d'examen vous allez gâter toute votre vie vous avez un examen à faire, nous sommes dans une salle d'examen ici. C'est comme si vous étiez dans une salle d'examen pour le bac ou pour la maîtrise et que voilà, vous vous permettez d'aller 50 fois aux toilettes, d'être au, au téléphone pendant, pendant 35 minutes et de regarder par la fenêtre les gens qui passent. Avant que vous le sachiez, l'examen est fini. Rendez vos copies. Là, là, vous doublez. Vous êtes foutu. Qu'Allah nous préserve. alaikum. Wa rahmatullah wa